We live in a kingdom that operates on keys. Nous vivons dans un royaume qui opère en clé. After Peter confessed Jesus as the Lord and Savior, he said, "I give unto you the keys of the kingdom." Après que Pierre ait confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a dit, "Je vous donne les clés du royaume." And whatever you open on earth shall be opened in heaven, and whatever you shut on earth shall be shut in heaven. Tout ce que vous ouvrirez dans les cieux sera ouvert sur la terre. Tout ce que vous fermerez dans les cieux sera fermé sur la terre. And these keys actually represents revelation. Et ces clés représentent les révélations. The Bible said, Luke 11:52. La Bible dit, Luc chapitre 11, verset 52. Woe unto you lawyers, for you have taken away the key of knowledge. Luke chapter 11 and verse 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Luc 11, verset 52. You have taken away the key of knowledge. Vous avez enlevé la clé de la science. Revelation knowledge. La connaissance de la révélation. The working knowledge of the truth. That's what we call revelation. Connaissance de la vérité, c'est ce qu'on appelle la révélation. The working knowledge of the truth. La connaissance de la vérité. The revelation of how the word applies to the issues on hand. La révélation de comment la parole est appliquée dans les problèmes de la vie. How the word addresses the challenges we are confronted with. Comment adresser les problèmes et les défis. That's what we call keys, revelation. C'est ce qu'on appelle la clé, la révélation. The working knowledge of the truth. La révélation de la vérité. That is the master key to a world of liberty. C'est la clé passe-partout de la liberté. A world of freedom, a world of dignity and honor. Pour un monde de liberté, de dignité. As it works. Parce que ça marche. I give to you the keys of the kingdom. Je vous donne les clés du royaume. And that means we have access to the working knowledge of the truth. Cela veut dire que nous avons accès à la vérité, à la connaissance de la vérité qui marche. That puts us in command of the affairs of life. Qui nous met aux commandes de nos peurs dans la vie. Whatever we shut on earth is shut in heaven. Whatever we open on earth is opened in heaven. Tout ce que nous fermons sur la terre est fermé au ciel. Que tout ce que nous ouvrons sur la terre est ouvert au ciel. And Jesus speaking said to the disciples in Mark 4:11. Et Jésus a parlé aux disciples en disant dans Marc chapitre 4 verset 11. Unto you is given to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them that are without, all these things are done in parables, so that hearing they may hear, they won't understand, and seeing they may behold, but they will not perceive. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et n'aperçoivent point. They won't understand what's going on. Because they are not inside. Ils ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas du royaume. So when you are in Christ, you become eligible for revelation. Alors lorsque tu es en Christ, tu es éligible. You become entitled. You have an access to the working knowledge of the truth that puts you in command. Tu as droit, tu as accès à la connaissance de la vérité qui te met aux commandes. The truth is this. La vérité est ceci. Revelation will always put any man in command anywhere. La révélation mettra toujours n'importe quel homme aux commandes, n'importe où. Revelation will put any man in command anywhere. La révélation met n'importe quel homme aux commandes, n'importe où. Its effect is universal, it's constant. C'est universel et constant. It has no geographical limitations. Ça n'a aucune limitation géographique. It has no racial advantage or disadvantage. Ça n'a aucun désavantage. It works the same way in the hands of everyone who believes. Ça marche de la même manière dans les mains de quiconque croit. Some people have erroneously believed that it is money that makes ministry. Il y a des personnes qui ont ironiquement cru que c'est l'argent qui fait le ministère. No, it is ministry that makes money. Non, c'est le ministère qui pourvoit. Money does not determine the impact of your ministry. L'argent ne détermine pas l'impact de ton ministère. It is the impact of your ministry. C'est l'impact de ton ministère. That determines the supplies that attend to it. Qui détermine l'approvisionnement qui y arrive. And so I'll be looking through these 7 keys. Alors nous allons parler de ces 7 clés. And believe in God that after we may have gone through it, for most of us it will be mere reminders. Et je crois qu'après avoir appris toutes ces choses, pour certains d'entre nous, ce sera juste des rappels. For a number of us, it could be new discoveries. Et pour d'autres, ce sera une nouvelle découverte. Whichever way, we are going up here charged. Peu importe, nous allons sortir d'ici chargés. Even if you had a battery before and the battery goes flat, it will not produce effect. Même si tu avais une batterie qui est faible, ça ne va faire aucun effet. I mean, the telephone is yours, it has a battery on it, but if it's not charged,
no connectivity. Si le téléphone est à toi et que la batterie est faible, tu n'as aucune connectivité. So this morning I want us to see it as either new discoveries or a charging process. Alors ce matin, je veux que nous voyons cela comme soit une nouvelle découverte ou un processus de chargement. Whichever one. We are going to get on a very high frequency connectivity this morning. Peu importe, aujourd'hui nous allons arriver à une fréquence de chargement élevée. Our ministry will start speaking the glory of God every step of the way. Notre ministère va commencer à parler de la gloire de Dieu à tous ses pas. Well, number one key is for any ministry to prosper. La clé numéro une est pour qu'un ministère prospère. It has to be ordained of God. Ça doit être ordonné de Dieu. The ministry must be called by God. Le ministère doit être appelé par Dieu. Luke 22, verse 35. Luc 22, verset 35. When I sent you without purse or scripts or shoes, lacked ye anything? And they said, nothing. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. When he sent them, he committed himself to the supplies that would be required as they went. Quand il les a envoyés, il s'est engagé à l'approvisionnement dont ils auraient besoin. Until you are sent, you are not entitled to supplies. Jusqu'à ce que tu sois envoyé, tu n'as pas droit à l'approvisionnement. It's so important. C'est très important. And the word sent here does not just mean being called. Et être envoyé ne veut pas tout simplement dire être appelé. But knowing what you are called to do. Mais savoir ce pourquoi tu es appelé. Knowing where you are called to do it. Savoir où est-ce que tu es appelé à le faire. And knowing how you are called to do it. Et savoir comment est-ce que tu es appelé à le faire. And knowing where you are called to do it. Now you see, it's a fourfold stuff. Et savoir quand est-ce que tu es appelé à le faire. Most people are really, really called by God. They have a clear heavenly vision. La plupart des gens sont vraiment appelés par Dieu et ils ont une vision claire. But they don't have an understanding of what they are called to do. Mais ils ne comprennent pas ce pourquoi ils sont appelés. So they keep doing whatever appeals to them. In the process. Donc, ils continuent de faire tout ce qui leur vient à l'esprit. And any contract that is not awarded, the contractor is not committed. À tout contrat qui n'a pas été attribué, le contracteur n'est pas engagé. I mean, the client is not committed to supplies. Et le contracteur n'est pas engagé à l'approvisionnement. If you just go to my house and you start mowing all the grasses everywhere and I didn't give you the job. Si tu viens dans ma maison et tu commences à couper toute l'herbe, je ne t'ai pas demandé de faire ce travail. I just thank you, I can't pay you. Je vais tout simplement te remercier, je ne peux pas te payer. Hello, thank you very much. I mean, I'm so impressed. Thank you so much. Salut, merci beaucoup. Je suis tellement impressionné. Merci beaucoup. I mean, you came all the way and did all this. Thank you so much. Tu veux dire que tu es venu de si loin pour faire tout ceci? Merci beaucoup. Because there was no contract signed. Il n'y avait aucun contrat signé. I didn't give you the job. You only took interest in the job. Je ne t'ai pas donné ce boulot. Il y a beaucoup de gens qui font ce en quoi ils sont intéressés. And so, our client God is not committed to make supplies. Alors notre Dieu n'est pas engagé à donner un approvisionnement. Because the job is not awarded. Parce que le travail n'a pas été attribué. This is so important. C'est très important. When I sent you without purse or scripts or shoes, lacked ye anything? And they said, nothing. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. When I send you, quand je vous ai envoyé, some ministries have gone bankrupt. Tellement de gens ont été ruinés. Because they are just investing their energy and resources in what they have not been sent. Parce qu'ils ont investi leur énergie et leurs ressources dans ce pourquoi ils n'ont pas été appelés. And so there is no line of supplies. Alors, il n'y a plus d'approvisionnement. So they get drained of energy, get drained of resources. Alors, ils sont vidés de leur énergie et de leurs ressources. The man Kenneth Hagin said in one of his books. Un homme a dit dans son livre. He said, the Lord told him, famine is coming. Dieu lui a dit, la famine arrive. This is one way not to be a victim of this depression that is coming. Voici comment tu peux faire pour ne pas être victime de ce qui arrive. One, get out of every outreach I've not commanded you to do. Premièrement, sors de toutes sortes d'engagements que je ne t'ai pas demandé de faire. I mean, he was called, but he said, look,
don't invest in outreaches I've not commanded you. Il a été appelé, mais on lui a demandé de ne pas investir dans des choses qu'on ne lui a pas demandé. Otherwise, you will disconnect from supplies. Sinon, tu te déconnectes de l'approvisionnement. This is so fundamental. C'est très fondamental. Many are pushing so hard. Les hommes poussent tellement fort. Because they are investing in wrong ventures that are not commanded. Parce qu'ils investissent dans des mauvaises initiatives qui n'ont pas été recommandées. If it is not commanded, God is not committed. Si Dieu ne l'a pas commandé, alors il ne sera pas engagé. I think that's very important. If it's not commanded, God is not committed. Si ce n'est pas commandé par Dieu, il ne sera pas engagé. When I sent you without purse or scrip or shoes, lacked ye anything? And they said nothing. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. And you know, Thomas was there. Et vous savez, Thomas était là-bas. If they had a lack, he would say, excuse me, we lack something. S'ils avaient manqué de quelque chose, il allait dire, excusez-moi, nous avons manqué de quelque chose. Because Thomas never believed anything except he could touch it. Parce que Thomas ne croyait jamais en rien avant de l'avoir vécu. So for Thomas to have kept quiet. Donc pour que Thomas se taise. That answer was in the affirmative. La réponse était affirmative. Thomas said, I bear record, we lack nothing. Thomas a dit, je suis témoin, nous n'avons manqué de rien. Why? He sent them. Pourquoi il les a envoyés? A number of my very good friends are into extensive television ministry with divine supplies backing them. Certains de mes amis sont dans le ministère télévisé avec un approvisionnement divin qui les suit. But I'm not sent. I'm not. Mais je n'ai pas été envoyé. And I acknowledge and bless God. Et je reconnais, je bénis le nom de Dieu. For the explosive outreaches that God has given them on the screen. Pour cette explosion que Dieu leur donne au petit écran. But I'm not sent. Mais je n'ai pas été envoyé. Now God has given us a mandate in education. Dieu nous mandate dans l'éducation. And we are not feeling anything doing it because it's a mandate. Et nous ne ressentons rien parce que ça a été mandaté. You see, why we compare ourselves with ourselves? The Bible says we are not wise. Vous voyez, quand nous nous comparons à nous-mêmes, la Bible nous dit que nous ne sommes pas sages. 2 Corinthians 10:12. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Each one has his package of God. Chacun a sa part venant de Dieu. One after this manner and the other after that. L'un de cette manière et un autre de cette manière. So anytime I catch a vision from heaven, à chaque fois que j'ai une vision du ciel, I try to prove God, is this just my passion? J'essaye de demander à Dieu, est-ce que cela est tout simplement ma passion? Or your purpose unveiled. Ou ta volonté dévoilée? I don't want to be a victim of my feelings. Je ne veux pas être une victime de mes propres sentiments. Whatever won't have your hand, I don't want to put my finger. Je ne veux pas mettre mon doigt où il n'y a pas ta main. A prosperous ministry is built on divine mandate. Un ministère prospère est fondé sur le fait qu'il soit mandaté spirituellement. That is the foundation to a prosperous ministry. C'est la fondation d'un ministère prospère. A stress-free ministry. Un ministère sans stress. If I'm to sign $10 million today for publishing. Si je dois signer $10 million pour une édition. I don't feel it because it's an assignment. Vividly delivered. Je ne le ressens pas parce que c'est une mission qui m'a été donnée. And divinely promoted. Et qui a été divinement promue. So it's all about each one taking direct from God. Donc il s'agit de prendre ses ordres directement de Dieu. What outlets and outreaches he has ordained for such ministries. Quelle sortie et quel genre de panne il a ordonné pour ce ministère? When I sent you without purse or scripts or shoes. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers. Lacked ye anything? And they said nothing. Avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Lacked ye anything? And they said nothing. Avez-vous manqué de quelque chose? Et ils répondirent de rien. Whatever God has commissioned. Peu importe ce que Dieu a commissionné. He has also equally committed his provisions. Il a également engagé
son approvisionnement. So you can't have his commission and lack his provision. Tu ne peux pas avoir sa commission et manquer de sa provision. A friend of yours is given a healthcare ministry and is building a hospital. Un ami à toi est dans le ministère de la santé et a ouvert un hôpital. And then suddenly say, I think we also need a hospital. Et soudainement tu dis, je pense que nous aussi nous avons besoin d'un hôpital. You may be the first one on admission there. Tu seras peut-être la première personne admise là-bas. You know, we must check it. Nous devons vérifier. When I sent you without purse or scribes or shoes, lacked ye anything? And they said nothing. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils répondirent de rien. Key number two. La clé numéro 2. Prosperity in ministry is built around impactful ministry. La prospérité dans le ministère est fondée autour d'un ministère percutant. The more impactful your ministry, the more prosperous it becomes. Plus ton ministère est percutant, plus il prospère. Romans 15:27. Romains 15, 27. If the Gentiles are partakers of their spiritual things, it is their duty to minister to them of their carnal things. Car si les païens ont une part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister par leurs choses temporelles. So it's only those who partake of your spiritual things. C'est seulement ceux qui ont part à tes choses spirituelles. That are committed to that ministry with their material things. Qui sont engagés à ce ministère avec leurs choses matérielles. If your ministry is not touching them, si ton ministère ne les touche pas, you cannot assess the blessings of God in their life for the promotion of their ministry. Tu ne peux pas évaluer la bénédiction de Dieu dans leur vie. So it's very important. Alors c'est très important. If you must continue to enjoy his supplies, si tu dois continuer de jouir de son approvisionnement, then your ministry must remain impactful. Alors ton ministère doit être percutant. That talks about diligence. That talks about discipline. Ça parle de la discipline, de la diligence. That talks about commitment. Ça parle de l'engagement. Your commitment is required because it takes that to impact on the lives of people. Ton engagement est requis parce que c'est ce dont on a besoin pour toucher la vie des gens. It takes that to impact on the lives of people. Ça a besoin de cet impact sur la vie des gens. You shall receive a word from me and you give it to them. Tu recevras un mot, une parole de moi et tu le leur donneras. So you must be positioned to receive a word from the Lord that will bless the people. Alors tu dois être en position de recevoir la parole de Dieu qui bénira le peuple. It's in blessing them that the ministry is blessed. C'est en les bénissant que le ministère sera béni. In Luke chapter 8, verse 1 to 3. Dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Jesus went to various cities and towns and villages, preaching and showing the glad tidings of the kingdom. And then there was Mary, there was Susan and the other Mary, and they ministered to him of their substance. Why? Because of the impact of his ministry. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins l'assistaient de leur bien. He talked about Mary Magdalene, out of whom seven evil spirits were cast out. Il parle de Marie de Magdala qui avait été guérie de sept esprits. And these women were ministering back to Jesus of their substance, not of their leftover. Et ces femmes qui assistaient Jésus l'assistaient de leur propre bien. So the input of men and women into the ministry that God has given you, alors la contribution des hommes et des femmes que Dieu t'a donné is a function of your impact on their life. C'est une fonction de l'impact de ton ministère dans leur vie. He was preaching and showing the glad tidings of the kingdom, and Mary Magdalene, out of whom seven evil spirits were cast out, was there. Susan was there. Another Mary was there, and they ministered to him of their substance. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume, et Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, l'assistaient de leur bien. Every great ministry today, tout grand ministère aujourd'hui, is a product of impact.
impactful ministry on the people. C'est un produit de ministère impactant. And people respond to the impact of such ministries. Le peuple répond à l'impact de ce genre de ministère. I had a young man that came in 1990 to a meeting I was in Port Harcourt. Comme un jeune homme qui était venu à une réunion dans laquelle j'étais. This man had just suffered a major business accident. Cet homme avait souffert d'un accident dans les affaires. Had a business problem. He had a fishing boat that, capsized. Il avait des problèmes dans son business, dans ses affaires. And everything went off. Et tout s'est arrêté. And he came down to a point where he was trekking on foot, had no mobility. Il est arrivé à un niveau où il n'avait plus de véhicule. Il était à pied. And then picked one of our books. Born to Win, and read that book. Et il a pris l'un de nos livres, Né pour gagner, et il a lu ce livre. He was crying in a commercial vehicle while he was reading that book. Il était en train de pleurer dans ce même lieu où il lisait ce livre. And vowed to God, if what this author is teaching. Et il a fait le vœu à Dieu, si ce que cet homme enseigne dans ce livre brings a turnaround in my life. Change les choses dans ma vie. This is my vow on the first thing I hit. Voici mon vœu sur les premiers bénéfices que j'aurai. And God visited him. Et Dieu l'a visité. I came into their city. He tracked to the meeting because he had nothing in his hand. Et j'étais dans cette ville et il m'a traqué. But he used that book to trace when he saw my name on a banner. I said, this must be the author of that book. Il a utilisé ce livre pour me rechercher. Et lorsqu'il a vu mon nom sur un poster, il s'est dit, ça c'est l'auteur de ce livre. We had never met. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. And God visited this man and there was a massive turnaround. Dieu l'a visité et il y a eu un grand changement. I mean, we can call it a generational turnaround. Tu peux l'appeler un changement générationnel. Everything turned. Tout a changé. Eventually emerged secretary of the state government of that state. Il est devenu éventuellement le secrétaire du gouverneur de cet état. Business opened up. Les affaires se sont ouvertes. Eventually became a senator of the Federal Republic of Nigeria. I mean, everything turned. Et il est éventuellement devenu un sénateur d'un état au Nigeria. Anyway, after that encounter, he hit a major business thing. Après toutes ces choses, il a eu une grande explosion dans son business. And loaded some money into a briefcase. I'd never met him. Il a rempli une mallette d'argent. Je ne l'ai jamais rencontré. And sought audience to talk with me. And I said, why not let him come? Il a cherché à avoir un rendez-vous avec moi. Et j'ai dit, eh bien, laissez-le rentrer. And he brought it back. He said, I brought this back for you. I said, for what? Il est venu, il m'a dit, j'ai amené cette mallette pour vous. J'ai dit, pourquoi? He said, I made a vow that if this impact brought the change I desire. Il a dit que j'ai fait un vœu. J'ai dit si cet impact amène le changement que je veux dans ma vie. So percentage of the first thing that comes to me will go to the author of this book, no matter where he was. Tel pourcentage de ce que je gagnerai irait à cet homme, peu importe où il se trouve. And I opened the portfolio. It was money from top to bottom. Et j'ai ouvert la mallette. C'était de l'argent de haut en bas. It was the impact he received that he responded to. C'est l'impact qu'il a reçu à laquelle il a répondu. So, it's important for us to know. Alors, il est très important pour nous de savoir that we need to be impact driven. Que nous avons besoin d'être conduits par cet impact. Not just applause driven. Pas juste par la luxure. We need to be impact driven. Nous avons besoin d'être conduits par cet impact. I wasn't there. He was only reading a book and the book turned his life around. Je n'y étais pas. Il a juste pris un livre et il a lu ce livre, a changé sa vie. We need to be impact driven. Vous avez besoin d'être conduit par cet impact. In all that we do, we need to be impact driven. Ça veut dire que nous devons être conduits par elle. A young man met me this year, and it's very humorous thing. Un jeune homme m'a rencontré cette année. He said the Lord said to him, he should give me feeding allowance every month. I laughed. Il m'a dit que le Seigneur lui a dit qu'il doit me donner une somme d'argent pour me nourrir chaque mois. I've never had that in all my journey. Je n'ai jamais eu cela dans toute ma vie. Amen. And it's a huge amount of money. There's no way I can eat that kind of money. Amen. Une grande somme d'argent. Il est impossible pour moi de consommer autant. He said, you have been such a blessing to me. Il m'a dit, vous avez été une bénédiction pour moi. The last 4 years, everything has turned in my life. Les 4 dernières années, tout a changé dans ma vie. And the Lord just ministered to me, I should make a monthly feeding allowance available to you. Et le Seigneur m'a dit que je dois mettre une somme d'argent à votre disposition.
disposition pour vos besoins. I said, maybe God knew I wasn't eating enough, so. Je me suis dit, peut-être Dieu savait que je ne mangeais pas assez. Amen. Praise God. That's more than $10,000 a month from a young man. Ça, c'est plus de $10,000 par mois d'un jeune homme. For feeding allowance. Juste pour me nourrir. You can imagine if you have 50 of such people. Vous pouvez imaginer si vous avez 15 de ce genre de personnes. They give you feeding allowance of, I mean, you will so feed. Qui vous donne de l'argent pour vous nourrir. Vous allez tellement manger. And become so fat and so tall. Et devenir tellement gros et tellement grand. And so huge. Et tellement énorme. And your size of shoes will be about 20. Même votre pointure de pied va changer. Yeah. It's all about impact. Il s'agit de l'impact. An impactful ministry will never be a beggarly ministry. Un ministère percutant ne sera jamais un ministère qui mendie. Your needs are just supernaturally met. Tes besoins sont surnaturellement exaucés. As a result of your impact on the lives of men and women. Résultant de ton impact dans la vie des hommes et des femmes. It's so important to be impact driven. Il est très important d'être dirigé par cet esprit. The apostle said, "We give ourselves wholly to prayers and to the ministry of the word." L'apôtre a dit, nous nous donnons pleinement au ministère et à la parole. Paul the apostle said, "In fastings often." These are all truths that we are trying to ignore. Ce sont des vérités que nous essayons d'ignorer. People are no longer given to fasting. Les gens ne donnent plus aux jeûnes. And Jesus said, "This kind goeth not out but by prayer." And by fasting. Jésus a dit, ce genre d'esprit ne part que par le jeûne et la prière. People are not given to sitting down with the word. Les gens ne se dérangent plus à s'asseoir avec la parole. We are busy reading all kinds of motivational junks around town. Nous sommes préoccupés à lire toutes sortes de messages de motivation. That's why we have left off the spiritual frequency. C'est pour cela que nous avons laissé la fréquence spirituelle. And we are now competing on an intellectual platform. Et nous faisons maintenant une compétition sur les plateformes intellectuelles. That's not the way. Ce n'est pas la voie. Jonathan Edwards in history will preach and the place will be vibrating. Jonathan Edwards dans l'histoire prêchait et toute la place vibrait. Literally vibrating. Littéralement en train de vibrer. D.L. Moody will stand up and the place will be literally shaking. Quand il se levait, l'endroit tremblait littéralement. Because of their spiritual gravity. À cause de la gravité spirituelle. You have to be spiritual to impact people spiritually. Nous devons être spirituels afin d'impacter les gens spirituellement. You can't give what you don't have. So important. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est très important. There is no revelation that will expunge fasting from the Bible. Amen. Il n'y a aucune révélation qui effacera le jeûne de la Bible. Or expunge prayers from the Bible. Ou qui effacera la prière de la Bible. There is no such revelation. Il n'y a aucune révélation de la sorte. No, he said, when thou fastest. Il a dit quand vous jeûnez. Not if thou fastest. When. Pas si vous jeûnez, mais quand. It's a program of your spiritual life. C'est un programme de ta vie spirituelle. And when thou prayest. Et quand vous priez. Not if thou prayest. When. Pas si vous priez, mais quand. So prayer and fasting are issues of when. Not if. Alors la prière et le jeûne sont des problèmes de quand, pas de si. They are issues of when and not if. Ce sont des problèmes de quand, pas si. I'm not aware if there's any week of my life. Je ne sais pas s'il y a une seule semaine de ma vie. We are one day at least is not off in fasting. Ou un jour au moins n'est pas dans le jeûne. We lead an entire church into a once per week fasting worldwide. Nous dirigeons une église qui fait un jeûne une fois par semaine dans le monde entier. There is no shortcut. Il n'y a aucun raccourci. Like I said, truth is ageless. Comme je l'ai dit, la vérité n'a pas de bord. Truth is timeless. La vérité n'a aucune limite. Truth is constant. La vérité est constante. Paul the apostle said, in fastings often. L'apôtre Paul a dit, dans des jeûnes multipliés. In watchings often.
exposé à de nombreuses veilles. And forever, Jesus, you mention Jesus, you mention Paul. Et pour toujours, tu mentionnes Jésus, tu mentionnes Paul. Generational impact. Impact générationnel. You can't preach a full gospel without Paul the apostle. Tu ne peux pas prêcher une évangile sans Paul. There is no way to play down on prayers and fasting. Il n'y a aucun moyen de minimiser la prière et le jeûne. And expect to remain impactful in your ministry. Et espérer rester percutant dans ton ministère. You can't play down on prayers, play down on fasting. Tu ne peux pas minimiser la prière, tu ne peux pas minimiser le jeûne. And expect to remain impactful. Et espérer avoir de l'impact. Jesus went on a prayer and fasting expedition. Jésus est allé en expédition de jeûne et de prière. And returned in the power of the Spirit. Et revenu dans la puissance de l'Esprit. And the impact was instant. Et l'impact a été instantané. Luke chapter 4 verse 14. Luc chapitre 4 verset 14. And all eyes were fixed on him, and his fame spread all abroad. Et tous les yeux étaient rivés vers lui. It came out of the power room. Il est sorti de la chambre de puissance. That impact came out of the power room. Cet impact est sorti de la chambre de puissance. We need to get back to the powerhouse. Nous avons besoin de retourner à la maison de puissance. In order to maintain a life of impact in anything that we do. Afin de maintenir une vie impactante dans tout ce que nous faisons. And it is that impact that will provoke input. Et si cet impact provoque des contributions. And then the ministry continues. Alors le ministère continue. Impact will provoke input. L'impact provoquera les contributions. And the ministry keeps spreading. Et le ministère continue de se répandre. They minister to him of their substance. Il l'assistait de leur bien. Every impactful ministry. Tout ministère impactant will enjoy great input from the imparted. Jouira toujours de grandes contributions de ce dont la vie a été impactée. You can't but have it to keep flowing. Tu continues d'avancer. Number three key to prosperity in ministry. La troisième clé pour la prospérité dans le ministère is faithful stewardship. Faithful stewardship. C'est l'intendance fidèle. A faithful man shall abound with blessings, for he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Proverbs 28 and verse 20. Proverbe 28 verset 20. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. It is required of stewards that a man be found faithful. Why? Il est demandé qu'un intendant reste fidèle. Pourquoi? He be put out of stewardship when discovered to be unfaithful. On l'enlèvera de ce poste quand il sera découvert infidèle. In Luke chapter 16, he said to that steward. Dans Luc chapitre 16, il a dit à ce serviteur: give account of thy stewardship, that thou mayest be no longer a steward. Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. It takes faithfulness, accountability. Ça demande la fidélité. To retain the call of God on our lives. Pour garder la force de Dieu dans nos vies. Faithfulness is what guarantees the continual supply from the sender. La fidélité est ce qui garantit l'approvisionnement continu de Dieu dans nos vies.